Bonjour à tous les blagos, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour le Battle Road Voyageur du Futur. Et je vais jouer Saga du Futur, Voyageur du Temps, excusez-moi. Et je joue Saga du Futur, voilà, je vais me retrouver. On part avec double Trunks Normaï, voilà, je crois que c'est la première fois que je les aligne tous les deux. Vegito ZTVR, ZTVR Trunks, ZTVR Vegeta. Et donc c'est parti les amis, c'est parti. Non, la canicule a fait fondre certaines cellules de mon cerveau, enfin certains neurones, je suis au bout de ma vie. Ah, c'est quoi ces ennemis là? C'est du troll. Attends, je me suis trompé de Battle Road, c'est pas possible. Attendez, mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais what? On m'aurait cacaroté. Bon, on va mettre Trunks dans bail ici. On va essayer de stun quelqu'un. Quoique, attends. On va essayer de stun lui là. Devilman va me one shot. Ah ouais, c'est pas une bonne chose ça, non? En vrai. Eh, ça commence fort. Hein. Moi j'ai peur. Ah, je vais claquer ça. Attends. En termes de death, c'est pas ouf. Hein. Sous la barre des 100 000, c'est dangereux. C'est grave dangereux. Attends, mais pourquoi on affronte des R et des SR là? C'est Saga du Fut. Ouf. Allez, un petit stun. 30%. Ah ouais, d'accord. Éclaté. Éclataxe. Bon, on a 520 000 PV, mais j'ai l'impression que ça va être. Ça va être vite réglé. Ouf, attention. Ouh. Ah. Quoi? Qu'est-ce que. J'ai claqué un item. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il a tapé sur le bon type aussi. Il m'a démonté, les gars. Bon, Vegeta, il debuff. Les extrêmes, ils sont extrêmes, eux. Hein. Oui, lui, avec sa tête là, il est forcément extrême. Je commence à souffrir. Je commence à souffrir, les amis. C'est pas forcément bon signe. Je suis mid-life alors que je suis. J'ai claqué un item. C'est quoi ma team de chips là? C'est quoi ce type de chipster? En fait, j'ai ramené Trunks SCJ dans Mai pour sa capacité de stun. Mais il faut qu'on affronte des ennemis de la saga du Turfu, sinon voilà quoi. Parce que eux, c'est quoi comme saga du futur ça? C'est saga des R, mais c'est pas des sagas du futur. Bon, j'espère qu'on va affronter un Zamasu, un Goku Black. En fait, je suis parti comme ça, en fait, sans vérifier quels sont les ennemis. En même temps, je voulais faire la découverte. Premier essai, je vais essayer de réussir du premier coup. Pour l'instant, j'ai 100% de win rate. Hein. Attention. C'est Saga du passé. Ah, j'ai active skill. Attends, c'est-à-dire qu'il y en a un qui rentre dans la Saga du futur? Parce que l'active skill. Ah non, ok, d'accord. Donc là, je peux stun quelqu'un. Oh, trop bien. Attendez, je vais stun qui? Ils attaquent tous deux fois. Je vais peut-être stun. Le truc violet là. Ça là. Allez, tiens, mange. Trunks SCJ dans Mai. C'est parti. Bon, pendant qu'ils font un mafouba de haute qualité, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. On rigole beaucoup ici. Attends, mais je suis en saga enfant là? Non, mais ça c'est trop fort en vrai. 100% de chance de stun. C'est beaucoup trop fort. Bon, lui, on le découpe normalement. Ensuite, lui, il est stun. Bon, lui, il va pas me one-shot quand même. Franchement, si lui me one-shot, c'est que vraiment on est nul. Hein. C'est que vraiment. Non, je me suis trompé de cible. Oh, j'ai cru que j'étais là. Non, quel con. Ah. Ah, je me suis fait. Ah non, quel con. J'ai cru que j'avais déjà pris les keys. Aïe aïe aïe. Ah là c'est.
Ah, la canicule a laissé des marques irréversibles, les amis. Bim. Allez, on va te faire, on va effondrer, enfin faire effondrer un immeuble sur toi. Attends, il tape pas très fort, Trunks dans My là. 1 300 000. C'est un peu nul quand même. C'est le mec. Alors, c'est qui le plus tanky ici? Ah bah c'est le fiston. Ouais, fiston, tu restes là. Végétaux bleus. Tu restes là. On aura peut-être besoin de toi au tour prochain. Oh, j'ai peut-être sous-estimé Vampire Man. C'est vrai, je fais augmenter le taux de drop des abonnés de 60%. Non, mais c'est vrai, hein. Manzaro, il a dit, depuis qu'il invoque chez moi, il n'arrête pas de dropper. Mais c'est vrai en plus. Il disait qu'il drop rarement de ouf, tu vois. Mais il invoque de ouf que quand il vient en live. C'est incroyable. Attends, mais on est vraiment dans sa gueule du futur, là. Attends, on m'a arnaqué, là. Oh, merci beaucoup, Ebola Care. Depuis que j'invoque chez Brice, je suis un donné un escroc. Bah, c'est ça. Demandez-lui, c'est vrai en plus. Ah, mais c'est quoi ces ennemis là? Je comprends pas. Pourquoi vous m'avez dit de ramener eux là? Parce qu'en fait, ils ont de l'esquive. Parce que je sais même plus c'est qui eux. Je sais même plus c'est qui. Je me rappelle plus. Bon, je sais pas ce qu'ils font. Qui? On va essayer de. Attends, on va essayer de stun qui là? Elle attaque deux fois. Elle attaque deux fois. Et l'autre, il attaque trois fois. Bon, on va essayer de stun toi, ta vieille tête là. Ouais, c'est bon. Là. Le Contillé, là. Le Contillé, bim. Trunks dans ma. Bon, on va faire ça. On claque un item. Ça semble un peu le Roussix, là. C'est l'arc enfant. Attends. T'es pas dans le bon Battle Road? Mais non, mais comment j'aurais pu jouer Arc-Enfant? Non, mais arrêtez, les gars. Non, arrêtez. D'où Trunks dans My, c'est Arc-Enfant? Attendez, ils m'ont l'air un peu. Et Végétaux bleus. Saga du futur. Seconde main, Eco Plus. Bah oui, bah sinon, j'aurais pas pu jouer. Bah oui, c'est... Quoi? Ouf. Ouf, faut que je fasse attention là. Le décès peut très très vite arriver. Je vais peut-être faire ça, tiens. En même temps, Végétaux là, il va se mettre bien. Il attaque 5 fois. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, on va faire ça. Bon, cette fois-ci, on va pas refaire la connerie deux fois. Dans les Battle Royale, t'affrontes pas la même catégorie que la tienne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un détail qui a son importance, c'est vrai. Je vais pas prendre les kits de ma couleur. Non, je suis juste surpris en fait. Je me dis, mais c'est qui c'est qui eux? Je savais même plus comment ils s'appellent. Comment ils s'appelaient ces différents bougres. Non, c'est bien saga du voyageur du temps. Arc enfant. Édition arc enfant. Non, c'est bien voyageur du temps là. Allez, mon petit Végétaux. Voilà, ça c'est mon bon Végétaux. Végétaux, ZTE Endurance, il fait le taf. Il fait le café, il fait le dessert, il fait le thé, il fait le digestif aussi. Le petit saké en digestif, ou 3 700 000. Respectez-moi. Bim. Voilà, il y a quoi maintenant? En plus, j'esquive. Magnifique ça. Non, faut pas sous-estimer. Depuis tout à l'heure, je mange des attaques. Oh là. Ah non, ça va. Alors, il y avait deux items en même temps. Aïe, j'adore cette attaque.
Trunks dans Mai. Et c'est Gien, c'est vachement fort. Donc, on va stun lui, ce bougre. Allez, bim. En fait, j'ai ramené les deux parce que je me suis dit, bon, je vais avoir des stats supplémentaires. En fait, je gagne 100% d'attaque supplémentaire quand il y a un saga, enfin un ennemi de la saga du futur dans la team. Mais c'est pas le cas. Attends, toutes mes attaques stun en plus. Attends, toutes les attaques deviennent des coups critiques. Mais c'est vachement bien. Ah bah du coup je vais pouvoir... Attends, si j'ai bien lu la carte, parce que bon je suis pas sûr de ce qui est indiqué, mais normalement je stun à 100% là. Si c'est pas le cas, je suis mort. Parce que là j'ai perdu la moitié de ma défense. Ouais, j'ai 53 000. Mais quelle est la probabilité qu'elle lance une attaque SP? Ah, je fais une cascade. J'espère que j'ai bien lu la carte. Sinon je suis au fond de ma vie. Il me semble que j'ai 100% de stun. Mais quoi? J'ai peut-être un peu mal lu la carte. Oui, il perd la moitié de sa défense. Ah. J'ai mal lu la carte. Alors. Toutes les attaques deviennent des coups critiques et... Ah oui, c'est l'Actiskill qui stun. Attends. En fait, c'est l'intitulé qui est pas clair. Pour moi, il est pas clair. Bon, c'est pas grave. On va mettre Trunks ici. Moi, c'est quand c'est pas clair, tu vois. 97 000. On devrait s'en sortir. On devrait même le tuer. On a 100% de crit, mais il me... En fait, attends, je vais vous lire l'intitulé, en fait. L'intitulé dit, augmente ton attaque de 628% et inflige dans le tour. En fait, c'est peut-être la traduction en anglaise qui est un peu bizarre. C'est marqué, toutes les attaques deviennent des coups critiques et stun l'ennemi attaqué. En fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est toutes les attaques deviennent des coups critiques et l'active skill stun l'ennemi qui est ciblé. C'est ça que ça voulait dire. Bon, alors, on disait... Alors, on va essayer de faire ça. On va essayer de le stun. On va le stun comme ceci. 20%. Ensuite, on va... On va faire ça. Catégorie CTLM. Eh, mais vous êtes chaud ce soir. Bon, eh, franchement, là, j'ai un doute, là, parce que... C'est un peu des chips, en vrai. Enfin, des chips. Ils partent 4 fois en SP, on est mort. Vous savez, par précaution, je vais faire ça. J'ai le Dokkan mode au tour prochain. Mieux vaut prévenir que canner, tu vois. C'est ça, ce qu'on dit, hein. Catégorie verdâtre. Ils sont verts, mais c'est pas des Namekois, quand même. Peut-être qu'un jour ils vont faire une catégorie spéciale vert, catégorie comme disent certains abonnés, catégorie CTLM. C'est tous ceux qui sont verts. Ah, c'est dommage. Ça aussi c'est dommage. Heureusement que j'ai cliqué deux items. Hein. Je trouve ça quand même improbable que Mai... Et l'attaque avec son fusil à pompe et qui fait des dégâts, tu vois. Oh, oh là là. Ouais, je crois que deux items, c'était indispensable en vrai. Je pensais que j'étais large, mais en fait, je suis pas large du tout, là. Une spé encore et je suis au bout, là. Ah, mais c'est chaud, en vrai. Bon, qui va les taper? Ah, je dirais Vegeta. Hein. En tout cas, je vais prendre que 4 ki, j'irai pas très très loin.
Bah, mon petit Végéta. Toute la France te regarde. Mets des Végétaux ici. Végétaux. Ouais, c'est bon. Sans lui, la réduction de dégâts. Donc, 3 items cumulés. Ah, ça fait beaucoup, hein. Mais il faut ce qu'il faut, les amis. Il faut ce qu'il faut, sinon on va canner. Allez, bim. Catégorie. Catégorie bon duel. Ah, mais c'est pas possible. Je crois que franchement, je vais être honnête avec vous, la canicule m'a fait du mal. J'ai vraiment très très mal dormi. J'ai dû dormir 3-4 heures par nuit. Dans la sueur de la nuit. Je crois que ça a laissé des séquelles. C'est. Oh, le stun. Ça a laissé des séquelles irréversibles. Voilà, c'est trop. Quasiment une semaine de canicule, ça a été trop pour moi. C'est trop. J'ai la main qui glisse sur la souris. Bah, c'est ça. Tellement transpiré que je glisse sur la souris. Ma main glisse sur la souris. Allez. Mon petit Trunksu. Mais si, c'est vrai. Avec la chaleur. Bon, on va essayer de stun. Bah, l'agilité. Hein. Mais voilà. Eh, mais c'est trop bien ça. En fait, il faut 3 tours. Il faut avoir un Trunks ou un Mai dans la team. Et du coup, tu peux claquer cette active skill qui a 100% de chance de stun. Qui réalise un coup critique. Et derrière, tu vas encore faire un coup critique. Donc, c'est vachement fort. C'est vachement fort, les amis. Bon, tu vois, on va laisser les tuer comme ça. Bon, un peu galère parce que j'ai pas beaucoup de. J'ai pas beaucoup de soutien. En plus, en fait, je comptais en vrai sur son passif qui lui permettait de gagner du ki si on affrontait des ennemis de la saga du futur. J'ai pas de bol. Ça aurait été trop bien en fait. Parce qu'en fait, les deux Trunks et Mai, ils ont des boosts supplémentaires en fonction des ennemis qui rentrent dans la catégorie Saga du futur. Moi je comptais là-dessus. Hein. Donc en gros, Trunks et Mai, je sais pas si c'était une bonne idée. Bon après, ils stunnent toujours. Hein. Ils ont 25% à l'aspect. 30%, pardon. J'ai dit 25%, mais c'est 30% à la première spé et 50% la seconde spé. Donc voilà les amis, on a bien rigolé. Et on l'a passé du premier coup, c'est ça le plus important. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Dites-moi dans l'espace commentaire quelle est la team que vous avez utilisée pour ce Battle Road Voyageur du Temps. C'est bien Voyageur du Temps, c'est pas Voyageur du Futur. C'est Voyageur du Temps. Mais bon, là j'ai joué Saga du Futur parce que Saga du Futur, la plupart des UT entrent également dans Voyageur du Temps. Donc voilà, merci beaucoup. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. À très très bientôt.